Tout commence en 2006 quand un groupe d'habitants de Poitiers s'organise pour identifier les services manquants dans leur quartier. Fort des résultats d'une enquête de terrain et d'un diagnostic santé, le groupe, accompagné par le centre social, va concevoir et mettre en œuvre un projet de centre de santé. Après 10 ans de combat, le lieu a ouvert en décembre 2015. Les principaux obstacles, c'était que tout le monde pensait qu'un groupe d'habitants ne pourrait pas monter un projet aussi important économiquement et techniquement que le centre de santé. Ce projet est beaucoup plus regardé et attendu au tournant parce qu'il vient d'un quartier populaire. Un certain public ne se faisait pas soigner parce que financièrement, ils n'en avaient pas les moyens. Parce que donner 23 euros pour une consultation, c'était compliqué pour eux, alors que là, la consultation est de 6,90 €. Respirez fort avec la bouche. Voilà. 13,8, c'est très bien. On s'est refusé à ce qu'on nous appelle des bénévoles. Pour nous, le mot militant était beaucoup plus important. Parce que militant, c'était travailler, bien sûr, sur le quartier, mais c'était aussi avoir une vision beaucoup plus large, une vision du monde. Les mots ont été centraux dans ce projet, depuis le début. Que ce soit le bénévolat, l'assistanat, la solidarité, la dignité, le respect. Tous ces mots ont été interrogés tout au long du projet. En fait, l'idée de ces cartonnettes, c'était de passer de l'idée générale de transformer la société à la réalisation du projet. Et donc, il fallait en passer par « je me le représente comment ?». Et donc, on a passé une journée à écrire que tout ce qui venait dans la tête des uns et des autres. Et donc, il y avait, je ne sais plus, 200 ou 300 idées. Et après, l'étape suivante, c'était celle-là, c'est-à-dire qu'après, par thème, il fallait classer dans quel ordre il fallait faire les choses. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces habitants avaient beaucoup de complexes d'infériorité, si je puis dire. Et le travail fait avec eux et avec le centre socioculturel leur a donné leur place dans la société.